que tu passes en voilée de mec, bordel. Luc, on descend. On descend, c'est long. On va toucher, hein. Mais Paul, t'es taré ou quoi? Tu les vois pas, mes doigts? Comment tu veux que je les vois? Tu téléphones de gonzesse. Mais je t'emmerde, tête de cul. Ça va? Oh, j'ai mal, la vache. Mais qu'est-ce qui t'en fait, mes doigts, putain? On peut me mettre à côté de quelqu'un qui a de frais, mec. Mais y'a Luc qui a mal, là-haut. Des mammouths, oui. Oui, c'est ça. Oui, que des mammouths. Bah oui, exposé. Mais bien sûr, exposé. Mais non, pas des Giacometti. Écoute, Chantal, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Chantal, tu me dis 16h au musée Malraux pour voir des Giacometti. Eh ben, j'y suis. Y'a que des mammouths. Oui. Oui, mais une seconde, oui. Oui, une seconde, je demande, oui. Excusez-moi. Au premier étage, il y a une exposition. Oui. Des Giacometti. Des mammouths. Au premier étage aussi. Oui. Oh, et des petits mammouths. On dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Oh, pauvre papa, hein. Bah, pourquoi pauvre papa? Bah, quand même! C'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte, un Picasso? Si tu plisses les yeux devant un nègre, ça fait comme un bonnet! Ah oui, ça, je le savais, ça! Laurence! Laurence! Elle est toute petite, la Vénus de Milo? Oh! Bah, c'était qui, Milo Anna? Oh! Oh merde, je suis dessus, Laurence! Hein. Bah, je vais quand même faire une photo pour Jacques, mais on sera obligé de la faire agrandir! Bah, si! Elle est trop minus! Ah merde, je suis déçu. Mais là, rien, rien de rien. Même le marbre, il m'ennuie. Et pourtant, Dieu sait que le marbre me bouleverse d'habitude, mais là, j'ai rien à dire. En fait, je m'en fous. Je m'en fous royalement, complètement. Et je trouve rien à dire, pas un mot, rien du tout. Vraiment, les mots ne viennent pas, ça ne me parle pas, tu comprends? Ça me laisse muet, totalement. Oh, je pourrais la regarder 3 heures comme ça d'affilée. Je m'en lasserai pas. Ah ouais, je comprends. Ah non, mais... Même 10 heures, hein, je m'en lasserai pas. Oui, bah... Oui, je te comprends, Ah non, mais... 24 heures sur 24, hein, je m'en lasserai pas. Hein. Ouais, je comprends. Non, mais... Quand tu vois ça, tu comprends. Mais oui, je comprends. Bah oui, je comprends. Non, elle mesure quoi? 10 centimètres. À peine. Non, mais... C'est insensé, non? Ouais, d'un autre côté, je trouve qu'elle a des gros seins pour sa taille. Mais si, je te jure. Les Kandinsky, je les ai perdus. Les Kandinsky? Mais je peux pas gueuler dans un musée, Richard. Mais c'est un extincteur. Je te dis que c'est un extincteur. Oh! Mais t'es fatigant, Jean-Paul. Oh, moi j'ai clair, mais alors le Gréco, mais alors ça me fait chier. Comme Mozart. Pareil. On le voit très très bien, le lapin. Tu déconnes? Un lapin? Un chef-d'œuvre. Mais nous, on peut pas. Ah bon, pourquoi? On est visiteurs, chacun son métier. Ah, ok. Monsieur le ministre, ici, une pause. Oh, merci. Un sourire, monsieur le ministre. Ici, là? Non, à côté, là. Non, là. Je peux m'asseoir. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Devant le Picasso. Oh, oh. Oh oui, là, ah, là. Oui, très bien, très bien, très bien. Miguel, 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 Miguel
Oh, je suis content de vous voir. Oh, venez, 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 venez. Alors, vous êtes au courant, hein? Eh bien, c'est fait. On le construit, le musée d'art modeste. Tout près de Notre-Dame. Il y aura tout ce petit monde qui nous bouleverse tant. Miguel, de griffes, le chien au petit nègre de Banania. Avec vous, bien entendu. Miguel, on ne pouvait pas se passer de tous ces gens formidables. Ah mais c'est amusant, c'est nouveau. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est de la dynamite et je vais tout faire péter. Non, attire pas ou bien au cœur.